Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fallout 4. Alors j'ai fait un petit peu le tour de ArcJet, récupéré des objets, j'ai démonté plein de ces objets, j'ai récupéré plein de vis en démontant, donc c'était génial. Du coup j'ai pu améliorer mon fusil de base, en fait j'en ai fait une arme de précision, c'est transformé en fusil de précision, en changeant la culasse, tous les trucs et tout. Le seul truc, j'ai pas assez d'aluminium pour lui faire un silencieux, donc il faudra que je voie si je trouve des canettes de conserve ou des trucs comme ça, ce sera peut-être de l'aluminium, il m'en manque pas beaucoup, donc on le fera bientôt. Ensuite, bon bah vous voyez, l'autorité des justes, c'est ce que je me suis équipé, je pense que c'est pas mal comme arme. Bon, j'ai encore quelques armes à démonter, à désosser encore, que j'ai trouvé en essayant de me rediriger vers la sortie. Mais je pense que voilà, j'ai fait un peu le tour, et en fait voilà, le perk pour améliorer la récupération est vraiment super, je regrette pas du tout de l'avoir pris. Du coup, ce qu'il va me falloir faire, c'est retrouver un petit peu toutes les armures que j'avais pu laisser à droite à gauche, et notamment le cuir. J'ai besoin de cuir pour améliorer mes armures actuelles, notamment pour leur mettre des poches et pouvoir transporter encore plus. Donc là, ce qu'on va faire en tout cas, c'est que avant de continuer de s'intéresser un petit peu à ça, on va retourner au commissariat de Cambridge pour rejoindre la confrérie de l'acier. Donc, voyons voir, là je vois, c'est l'occasion de tester notre truc. Voyons voir, boum, boum, et boum. Très sympa ce gun, très très sympa. C'est l'arme que m'a donné le mec. Hein. Un petit peu de viande de mouche bouffi, des rats de cerf. Ouh, il y a quelque chose là. Cachette de capsule et un steam pack, cool. Et ensuite, si on doit revenir, c'est par là en fait. Hein. Bon, il fait un peu nuit, il fait un peu sombre, c'est pas génial, il fait un temps de merde. J'imagine que le mec là, le paladin, a dû rentrer au commissariat pendant que je faisais le tour de l'intérieur du bâtiment. Alors j'ai remarqué aussi, en m'intéressant du coup, j'y ai passé à peu près une demi-heure, hein. Je voulais vous épargner ça, parce que quand même c'est peut-être moins intéressant, je le dis. Que vraiment tous les objets qu'on trouve ont du matériau associé. Tous les objets, les montres, contiennent des engrenages qu'on peut utiliser pour faire du crafting dans certains équipements. Tout utilise genre des brosses, ouais, on peut récupérer du plastique dans des brosses, ce genre de choses. Donc effectivement, ça vaut le coup de prendre vraiment quasiment tout ce qu'on peut trouver. Et dans ce cas-là, augmenter notre capacité d'emport. Ça sera peut-être intéressant d'augmenter d'ailleurs pour ça notre force, pour avoir une plus grosse capacité d'emport. Parce que bon, moi j'en ai marre de jongler en permanence entre l'équipement que je peux avoir sur moi. C'est assez pénible. Et il faudra aussi que je puisse stocker un petit peu tout le junk que j'ai, même si ce junk me sert justement effectivement de matériaux de base. En tout cas, le fait d'avoir débloqué le perk me permet vraiment de commencer à récolter des matériaux intéressants, des équipements que je désosse, que je recycle, et je vous le conseille. Si jamais vous hésitiez à le prendre, franchement, n'hésitez plus, prenez-le. Petite sauvegarde, on sait jamais. Donc là, on avait justement affronté plein de pillards. J'aimerais voir si je peux récupérer une partie de leur équipement pour pouvoir faire du cuir. Et le tout sur la route vers le commissariat. Fréquence militaire retrouvée, ouais, on sait. Bon, les cocottes et les poils, je sais pas si je vais quand même aller jusque là. Voilà, c'est ça, on n'avait pas pris. Ils sont encore là, les cadavres des mecs? Ouais. Alors, lui, je l'avais complètement... Ah non. Voilà, on porte déjà trop de choses. Putain. Et ça, c'est parce qu'aussi, en termes d'armes, je trimballe vraiment plein de choses, quoi. Des armes de fortune, pistolet, là. Les cocktails Molotov, c'est pas ça qui pèse lourd, mais bon, ça pèse 6. Le fusil de chasse qui pèse 9. Je vais me débarrasser du fusil de chasse. J'ai mon fusil à double canon, hein, qui fait 67 de dégâts. Bon, là, c'est du .308, là, c'est du calibre 12. C'est pas les mêmes calibres, c'est vrai. Allez, va pour le fusil de chasse. Et donc ça, c'est l'arme de précision que je me suis fabriquée. Mon flingue, je le garde. Le fusil à double canon, je le garde. L'autorité des juges, je le garde. Et par contre, du coup, ces pistolets qui traînent, je vais les virer.
Voilà, comme ça j'ai encore un petit peu de place. Bon, au pire, hein, on viendra les chercher, mais pas vraiment certain d'en avoir réellement besoin. Voilà, les vêtements de cuir, je veux les prendre pour pouvoir les déboîter, les démonter. Donc là, on est à combien là? 258 à nouveau. Bon, est-ce que je peux peut-être larguer? Voyons voir, ça c'est du poids 1. Poids 7, le plastron. Ouais, le plastron, on va l'enlever. Les jambières, c'est 2 de poids. 3 de poids pour les jambières de pillard. Les harnais, c'est 1. Et on a encore 5 de trop. On chie. Heureusement que dans ces trucs-là, il y a plein de choses qui pèsent rien du tout parce que... Par contre, c'est pénible, c'est le bric à bac qui pèse lourd quand même. Le marteau, je vais l'enlever. La collerette, c'est de l'acier. J'en ai déjà plein d'acier. Ça c'est 2, ouais mais c'est des câblages, ouais, non ça je les garde. Canard biométrique je garde, matériau nucléaire. Bidon d'huile, de l'acier, de l'huile j'en ai pas beaucoup. Ah voilà, bidon en aluminium ça je garde, absolument. On a besoin. Bon le reste ça a l'air d'aller, on est à 239 sur 240, bon allez ça ira. Il me semble que dans cette petite ville en plus il y avait un établi, non? Donc ce sera l'occasion d'aller s'en servir. C'est vraiment un super jeu. Moi personnellement je m'éclate. Là ça fait 3 heures que j'y joue. Je vois pas le temps passer. Et encore je sens qu'on a vraiment juste écorché sa surface. Bien que j'apprécie et j'apprécie pas réellement. Enfin, c'est un peu difficile. Ça veut rien dire ce que je suis en train de dire, mais. Le fait que, voilà, vous voyez, très rapidement dès le début du Let's Play, on s'est retrouvé avec une armure énergétique, on s'est retrouvé avec notre colonie, on s'est retrouvé à rencontrer la confrérie de l'acier. Je veux dire, on est très rapidement mis dans le bain. J'avais un peu reproché à Fallout 3, justement, que la mise dans le bain était un peu mal faite. Donc, quelque part, est-ce que c'est à le reprocher à celui-là? Faut savoir. Moi j'aime bien en fait, en y réfléchissant comme ça, c'est sympa d'avoir été plongé aussi rapidement dans l'action, même si c'était quand même un peu bizarre, voilà, c'est pas parfait, je pense que ça aurait pu être mieux fait. Alors ça doit être le commissariat, alors dommage qu'il n'y avait pas d'établi et de trucs comme ça dans le commissariat, en tout cas j'en ai pas vu, peut-être qu'il y en avait à l'extérieur, pas fait attention. Restons cachés parce qu'on sait jamais. Par là l'entrée? Non. Si ouais, je vais pouvoir passer par là. Il n'y a pas des établis à l'extérieur, quelque chose dans ce genre? M'étonnerait que la confrérie de l'acier à son camp de base n'ait pas d'établi. Ça c'est le garage, il n'y avait pas un établi dans le garage? Non. Hein. Et à l'extérieur. Ah, ils ont aucun établi, quoi. Ça, c'est un truc que je reproche un peu. Vous avez une bonne nouvelle pour nous ? Mission accomplie. Nous avons l'émetteur. La chance nous sourit enfin. Beau travail, Paladin. Je n'étais pas tout seul. Hélène ? Rhys ? Je souhaitais la bienvenue à la nouvelle recrue de l'unité de reconnaissance. Ça, c'est nous. Il a déjà fait ses preuves sur le terrain. S'il suit bien nos enseignements, je suis sûr qu'il sera promis un bel avenir parmi nous. On fait une vanne ? Seulement parce que j'adore vos uniformes. Ah oui? Moi qui croyais que vous vouliez vous engager pour donner un sens à votre vie. Vous avez décidé de rester finalement?
Je pensais que il a l'air d'animer lui. Empocher votre récompense et faire vos adieux. Ça ne vous plaît pas ? Ça ne vous plaît pas que je me joigne à vous ? Pas trop, non. Ah. On a déjà assez de soucis avec les mutants et les ghouls. J'ai pas besoin de quelqu'un en plus à surveiller. Rhys, ça suffit. Vous allez devoir apprendre à travailler ensemble, que ça vous plaise ou non. Et vous ? Ouais. Vous allez devoir comprendre ce que rejoindre la confrérie implique. Nous ne J'espère pas trop de choses quand même. Nous sommes pas une bande de soldats du dimanche qui joue à la guerre. Nous sommes une armée disciplinée, soumise à un code moral des plus stricts. Si vous voulez rester parmi nous, vous devrez suivre nos préceptes à la lettre. Ok. J'ai été militaire. Ne vous en faites pas, j'ai servi dans l'armée. Parfait. Dans ce cas, je vais vous épargner les longs discours. Ce que j'attends de mes subordonnés tient en deux mots. Respect et honnêteté. Vous rentrez dans le rang et vous y restez. Je vous donne un ordre, vous le suivez. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Avant de vous confier à Hélène et Rhys pour vos ordres de mission, il me reste encore une chose à régler. À partir de cet instant, vous avez le grade de conscrit. C'est un grade réservé aux aspirants. Je ne suis pas autorisé à promouvoir qui que ce soit au-delà de celui-ci. Ça m'intéresse, ça. Ça m'intéresse, est-ce que c'est un peu comme dans Skyrim, il y a des factions je veux dire, est-ce qu'on peut rejoindre, monter en grade dans une faction, devenir le chef de la faction? Ça, ça m'intéresse. Pas autorisé? Vous pouvez pas me promouvoir au-delà du grade de conscrit? Non. Seul un aîné est autorisé à le faire. Donc il faudra que je Dès trouve un aîné. Dès que nous aurons installé l'émetteur, d'accord. J'appellerai le commandement et je leur en toucherai deux mots. Ok. Merci. Inutile de me remercier, soldat. Continuez à accomplir votre devoir de manière exemplaire, ça suffira. Ad victoriam, conscrit. Il sait même pas ce que ça veut dire, Hélène. Ad victoriam, ça veut dire vers la victoire. J'aurais pu le deviner. Nous battons pour l'avenir de l'humanité. Le mot défaite ne fait même pas partie de notre vocabulaire. Notre cri de ralliement est plus fort que toutes les armes du Commonwealth. N'oubliez jamais ça. Maintenant, présentez-vous à Hélène ou à Rhys pour recevoir vos ordres de mission. Vous pouvez disposer. Bon, j'imagine que de toute façon, je peux faire ce que je veux en attendant quoi. Je suis pas obligé non plus de rester dans le coin et d'attendre qu'ils aient des ordres à me donner, quoi. Et du coup, si je veux des missions complémentaires, je n'ai plus qu'à aller les voir. Alors, il y avait vraiment pas d'établi dans le coin ? Je m'étonne quand même dans un commissariat. Ici, il y en avait pas un. Non, c'était pas un établi, ça. Pardon, Canigou. Bon, ça a du sens que le personnage rejoigne un corps militaire, parce que bon, vu qu'il était militaire, justement, ça lui donne des repères, quoi. Bon, je suis encore trop lourd à nouveau. Chier. Un dossier. Ouais, non, ça pèse rien, on s'en fout. Des trompes de tic, il y a de l'acide dedans, d'accord. Quoi qui pèse 6 là? Un extincteur. Caoutchouc, acier, amiante. Ouais, mais c'est un peu lourd. Donc je vais l'enlever. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de prendre des missions à ces gens-là, on va faire un tour à l'extérieur pour essayer d'aller démonter. Attendez, il y a quoi déjà à l'étage ici? Je m'en rappelle plus. Ah oui, c'était pour aller sur le toit. On va retourner à l'extérieur. J'aimerais me trouver un établi d'armure. Donc on reviendra au commissariat après. Et si vous vous souvenez, il y avait des habitants d'ailleurs dans cette ville. Canigou, hein. Qu'est-ce que t'as trouvé? Oh, joli. Bien vu. Bon, c'est bien mon chien. C'est un grand chien. Il est génial ce chien. Il trouve des munitions. Pas tous les clébards qui sont comme ça. Hein. Alors, où était la station? Il suffit qu'on retrouve l'espèce de fusée qui dépassait du ciel. Attendez, on va regarder la carte vite fait. Non, la carte du monde. Voilà. Sable et gravier du Massachusetts. Ok, donc faut que j'aille sur la gauche a priori. Plutôt par là-bas. Alors, restons quand même discrets parce qu'il y avait des ghouls, si je vous rappelle, dans le coin.
Mais bon, j'en vois pas. On va se méfier parce que si je me prends une armée de ghouls sur le coin durable, ça va mal se passer. Voilà, c'est ça que je cherchais. Merde. Enjeu à carapace molle. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il est où d'ailleurs? Je vois pas. D'accord, cette espèce de truc là. Ça, j'en avais déjà affronté un, ça s'était un peu mal passé. Donc on va essayer juste de le contourner. Oh! Protectron, pas hostile. On dirait. Bon allez. Voilà. Établi d'armes. Je cherchais pas un établi d'armes, plutôt un établi d'armure. Ouais, non, j'ai rien de mieux à faire ici. Ah, attendez, non, parce que si, ici, je peux faire... Quoi? Comment ça, il me manque de l'alu? Merde, je pensais que j'en avais. Je pensais que j'en avais trouvé en plus. Il n'y en a pas par là, de l'alu? Bidon d'huile usagé, clé à molette, paquet de cigarettes, non. Ah oui, ça c'est moi qui avais laissé tout ce truc là. Oh putain. Ah, je crois qu'on l'a aggro. Merde, le chien. Aïe. Voilà. Putain! Ah mon gros! Ça, il a sa vie qui remonte toute seule. Il est chiant des fois ce chien, il fait des aggros comme ça. Ah, je suis pas monté là-haut, tiens. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ça va aller les corbeaux? Ça, c'est un poste d'observation, avec un fusil de précision. Oh, mais c'est un vrai, ça. C'est pas un truc à cran à la con qu'on a pu trouver jusqu'à présent. Une mine à frag. Ça, ça... On va savoir qu'il y en a une là. Bon, je suis à nouveau trop lourd. De combien? De 10. Ah putain, le fusil de précision, il est lourd, hein. À 44 de dégâts alors que mon arme de fortune elle est qu'à 22. Ah, il faut que je la défasse. Il faut que je la détruise. Ah, X pour examiner. Ah d'accord. J'enlève ces modes là et que je les mette sur celui-là. X pour examiner. Ah, ça c'est un vrai flingue de précision, espèce de truc de briques et de broc là. Voyons voir. Vous savez quoi? Oh! Bon, même si je suis un peu lent, c'est vrai. Des mantas, du bourbon, des pots de peinture. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de redescendre. Ah. Oh là là, qu'est-ce qu'on est lent! Pas possible. Attendez, mon fusil de précision actuel, combien il pèse? Il est à 5,5, là où le nouveau est à 12,4. Ah oui, quand même. Bon alors, je vais le poser pour l'instant. Et puis on va remonter le chercher juste après. On va descendre. Et c'est là que ça m'intéresserait de savoir si... Oups là. Il n'y a pas un établi d'armure à l'extérieur de ce truc? Vous êtes sérieux? Il n'y a pas d'établi d'armure, quoi. C'est abusé. Ah bah si, il est là. Il est à l'intérieur en fait. Ok, donc les bras droits de Priard, de l'acier, merde. Les brassards en cuir. Voilà, il me faut du cuir moi. Les jambières, des jambières en cuir encore, ok. Ok, donc... voilà, avec des poches. Augmente la charge maximale, merci.
Ensuite. Jambe droite de pillard. Ouais, il a déjà un truc constitution légère, donc on va le laisser. Cuir armé avec des poches. Voilà. Donc il nous manque de l'adhésif. Bon, ça m'a l'air pas mal. Par contre, ce bras droit de prière, il va falloir que je change. Hein. Il me faut autre chose. Alors, attendez, si on revient là, on devrait pouvoir, voilà, récupérer plein d'équipements. Pousse-toi, Canigou. Allez, putain de clébard. Voilà. Donc, le truc là, tout ça, c'est... On a mieux. Ah non, c'est que de l'acier, en fait. D'accord. Par contre, le poids est augmenté. Ok, on est à combien là en poids? 245 sur 250. Je vais virer des trucs. Alors, c'est quoi, on va les remettre dans l'armoire. Alors, des mines. C'est pas très lourd ça. Ça, on va se les garder. Ça, je vais les y mettre. Fusil à double canon, je le garde. Les cocktails Molotov, ça peut être utile. Faut se méfier avec ce genre de choses. Ensuite, masque à gaz d'assaut. Masque à gaz à lunettes. Casque de chantier. Alors, ces vêtements là, j'ai pas pu les recycler. C'est dommage. Ok. Bon, l'acier. Ouais, j'en ai quand même un gros paquet là. Je vais en laisser. Je vais en laisser une cinquantaine. Voilà, pour 10 unités. L'argent d'avant-guerre, ça pèse rien. Ah, mais c'est que pour les... C'est des modules pour armes de fortune, ça. Ah, attendez, c'est quoi? C'est quoi ces tris? Ça nous dit pas grand chose. Tirier par valeur. D'accord. D'accord, donc poids, voilà. Trier par poids. Trier par dégâts. Attendez, si je me remets en haut. Ah oui, 301 de dégâts la mine à capsule quand même. Trier par, je sais pas, CAD, cadence de tir. D'accord. Précision, valeur et poids. Ah ouais, le fusil à double canon est quand même pas léger. Plastron de cuir. Je pense que je vais laisser cette arme. Calibre 38. Ou les bidons d'huile. Bidon d'alu. Canard biométrique. Bon, ça va, on a 45 de place cette fois-ci. Ah, mais c'est que des trucs d'armes de fortune en fait. J'essaie de la recycler. Ouh, je récupère quand même pas mal de choses. Ouais, bon, on va la recycler. Ok, on va remonter à l'étage. Et aller chercher ce vrai fusil de précision. Voir un petit peu ce qu'on peut mettre dessus. Merci. Le chien qui s'amuse pendant ce temps, il poursuit les oiseaux, on dirait. J'avais pas fouillé d'ailleurs par ici. Je parie qu'il y a du scotch. Mode de conserve, encore du scotch. Des canettes, ça, les canettes, c'est de l'aluminium, non. Celui 10 mm. Ok. Donc ça, je recycle. Voilà. Donc, on a une culasse standard. Canon long. On est à 44 de dégâts, 215 de portée, précision 92. C'est déjà énorme. Crosse courte. Et c'est quoi? Ah ouais, on manque d'adhésif.
D'accord. Crosse de tireur d'élite. Ah, il nous manque juste un tout petit peu d'adhésif pour ça. Hein. Parce que là, bon, effectivement, c'est le poids serait beaucoup plus élevé. Et ça change rien du tout. Par contre, ça change le recul, vous voyez. Recul excellent, meilleure précision avec les lunettes. Le chargeur moyen, on pourrait augmenter ça. Vitesse de rechargement médiocre, par contre. Hein. Des choses à éjection rapide, chargeur moyen. Et ça, c'est limite, c'est le meilleur qu'on ait. Ensuite, la lunette. Les lunettes, il nous faut quoi? Des cristaux, ouais, carrément. De l'alu, de l'adhésif. Ouais, en plus, on n'a pas du tout les rangs qu'il faut. Et par contre, là, le silencieux, il me faut Fanadarm de Niran 3 pour pouvoir l'installer. Et après, les compensateurs et trucs de recul. Ouais, pareil, Fanadarm de rang 2. Je mets une baïonnette, sinon. Non, je vais pas mettre de baïonnette. Et les culasses, on pourrait l'alléger pour diminuer de 4 les dégâts. Ou l'alourdir pour l'augmenter de 4. Après ouais, là on n'a pas les rangs requis pour faire les autres niveaux. Canon long, canon court, putain. C'est plus un fusil de précision là. Non, celui-là est bien. Canon long léger, ça sera encore mieux par contre. Mais là il me faut pareil de... Et j'ai le rang requis de 1 de Fanadarm. Juste qu'il me manque 2 unités d'adhésif. Ok. Attendez, non. Annuler. Parce que ce que je peux faire, c'est que si par exemple, je veux faire le canon léger à ouverture, je peux le marquer pour la recherche. Vous voyez? Je sais pas du tout ce que ça fait, mais je pense que c'est important. Voilà. Du coup, ok. Je vais vous laisser là, hein, pour cet épisode. Et je sais pas moi, qu'est-ce qu'on va faire après? Je pense que je vais faire un petit break là dans ma session d'enregistrement. Coup de pompe, préparer les tuyaux. Ça c'était le truc à l'entrée. Ça c'est pour aider les amis. Parler aux habitants. Ouais. Nos statistiques, nos aptitudes. Ouais. Ok. Bon, on est à combien là de, par contre, 216 sur 250. Donc voilà, si jamais on trouve des trucs, on saura quoi en faire. Et si on se testait vite fait pour voir le fusil de précision. Voilà, ça c'est un vrai fusil de précision. Par exemple, on est à 32 de précision, 72 de précision ici. Bon, je vais pas essayer de lui shooter dessus. On a 8 balles sur 46. Ok. Allez, je vais vous laisser là. Bonne journée à tous et à bientôt pour le prochain épisode.